Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un overlay pour OBS Studio pour afficher correctement et proprement sa webcam pour un live ou un enregistrement de vidéo. Alors là on se retrouve sur OBS, j'ai créé une scène tuto overlay qui contient qu'une source qui enregistre mon écran. Je vais commencer par rajouter ma webcam en ajoutant le périphérique de capture vidéo. Voilà. La webcam s'affiche ici, je vais la rétrécir, je vais la mettre en haut à droite. Ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir un truc un peu plus joli. Donc, je vais vous montrer un exemple en faisant un rond autour de ma tête. Alors je vais ouvrir mon Gravid Designer, vous pouvez utiliser Photoshop, ce sera pareil. Je crée un nouveau design qui fera la taille de mon écran, 1920x1080. Voilà, on va créer un rond, hop là, comme ça. Le fond, il faut qu'il soit noir, et le rond blanc. Et je vais créer un effet de flou autour de ce rond pour que ça rende plus joli. Comme ça, je rajoute du blur. Coefficient de 15. Ok, 15. Voilà. J'exporte mon image au format JPEG. Donc, je vais nommer overlay. Rond. Voilà, je retourne sur mon OBS. Au niveau de mon périphérique de capture vidéo, je fais clic droit dessus, filtre, et je vais rajouter un filtre d'effet. Donc ça sera un masque d'image. J'ajoute, je vais chercher le rond que j'ai créé. Hop là, et on voit que ça crée un rond autour de ma tête. Et on peut mettre ça en haut à droite de nos vidéos ou de nos lives. Alors, je vais vous montrer une deuxième solution qui est de télécharger un overlay tout fait. Donc, vous pouvez aller sur le site wdflat.com. Il y a des overlays tout faits. J'ai déjà téléchargé un, c'est celui-là, je crois. Donc, je retourne sur mon OBS. Je vais supprimer mon filtre. Donc, je le retire. OK. Et je vais ajouter une image qui sera mon overlay, donc image, ok, je vais chercher mon overlay, donc c'est celui-là, c'est un overlay transparent, donc c'est un PNG, je le passe, il faut bien qu'il soit au-dessus de la capture vidéo, donc je règle la taille, comme ça, et je règle la taille de ma capture vidéo, pour que ça entre bien dans l'overlay. Hop là. Et voilà, on a un overlay pour nos vidéos ou pour nos lives qui est joli. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.